J'aimerais que viennent ici les jeunes appelés Jean et Marc de Yopougon. Alléluia. Jean et Élisée de Yopougon. Les deux appelés de Yopougon, les deux frères, Jean et Marc, qui sont là. Pardon, Jean et Élisée, excusez-moi. Est-ce qu'ils peuvent se déplacer, qu'ils viennent ici? Amen. Acclame le Seigneur, je suis toujours là. Vous allez de nouveau mettre à genoux ici. Le Seigneur veut vous établir. Amen. Alléluia. Ils ont payé d'énormes prix pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils continuent de payer ce prix-là. Ils continuent d'être humiliés, d'être avilis, d'être traités de tous les noms parce qu'ils ont abandonné leur ancienne communauté. Ils ont abandonné le monde dans le but de servir Christ en esprit, en vérité. Et le Seigneur nous a inspiré de les consacrer en tant qu'ils a, en tant que serviteurs, pasteurs provisoires, dans le but d'assister l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, sur l'église de Yopougon. Amen. Prophète Daniel, tu vas prendre une fonction. Dans le livre d'Exode 13, au verset 2 et verset 12, il est dit, consacre-moi tout premier-né. Au verset 12, il est dit, tu présenteras à l'Éternel ton fils aîné. Alléluia. Devant Dieu spirituellement, vous qui êtes ici, vous êtes le fils aîné. Non pas de vos pères, de vos mères, mais de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous êtes ici en sa présence. Alléluia. Père éternel, comme tu nous l'enseignais, sur la base d'Exode 13, verset 2 et verset 12, nous te consacrons tes premiers fils. Amen. L'aîné, c'est Jean, non? Nous te consacrons ton serviteur Jean. Et nous déclarons que par cette huile, magnifique. Nous déclarons que par cette huile, aujourd'hui même, nous le voyons en qualité d'évangéliste. Nous le voyons en qualité d'évangéliste. Seigneur, pendant que cette huile est en train d'être versée sur lui, je déclare au nom de Jésus que le reçoive les qualités, les dons et tous les talents qui font de lui un véritable évangéliste. Seigneur, dans ses mains, je le oins du don de guérison, du don de guérison, du don de prodige et du don de miracle. Seigneur, tu le remplis de feu. Je le remplis de feu. Je le remplis de feu. Je le remplis de feu. Remplis-le de feu. Je le remplis d'autorité, de force et de sagesse. Je le remplis de connaissance, de science et de puissance. Je le remplis de pouvoir. Je le remplis de crainte. Et que ce qui sort de lui ne vienne que de toi. C'est pourquoi je déclare que maintenant, que ton feu l'embrase. 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 Que ta puissance l'embrase. Que ton feu l'embrase. Que ton feu l'embrase. Que ton feu l'embrase. Reçois. Reçois maintenant de la part de l'Éternel des armées. Reçois maintenant de la part de Yahushua Machia les dons et les qualités dont tu auras besoin afin que tu le serves avec puissance, avec autorité, avec force, avec connaissance, avec crainte, avec sagesse et avec empressement. Reçois-les maintenant même. Reçois-les. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de ton Seigneur. Et merci Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, Elohim, voici ton serviteur Ézéchiel. Seigneur, nous le voyons. Voici ton serviteur Élisée. Voici ton serviteur Élisée. Nous le voyons en qualité de pasteur. Seigneur, la compassion, l'amour que le pasteur a pour tes brebis. Seigneur, nous le voyons de cette qualité. Je le remplis d'amour. Je le remplis d'amour. Je le remplis de compassion. Je le remplis de compassion. Tu mets dans son cœur le sel. Le sel qui vient de ta maison. Tu mets dans son cœur le sel qui vient de ta maison. Comme il est dit dans ta parole, le sel de ta maison me dévore. Seigneur, dans ses mains. Dans ses mains. Seigneur, nous le voyons du don de guérison.
du don de résurrection des morts, du don de guérison, du don de prodiges et de miracles. Seigneur, nous le voyons du Seigneur, maintenant je déclare, je le remplis de sagesse. Je le remplis de sagesse. Je le remplis de sagesse. Je le remplis de feu. Je le remplis de feu. Je le remplis de puissance. Je le remplis de puissance. Je le remplis de compassion, je le remplis d'amour, je le remplis de puissance, je le remplis de connaissance, je le remplis de force, je le remplis de puissance, je le remplis de pouvoir, je le remplis d'autorité, je le remplis d'un grand amour. Seigneur, maintenant, 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 je le remplis, 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 je le remplis de ton Saint-Esprit, de ton Saint-Esprit, de ton Saint-Esprit, de ta puissance, de ton amour, de ton zèle, de ta compassion. Je le remplis de feu, d'autorité, de sagesse, de pouvoir et du sel qui vient de ta maison. Reçois maintenant les qualités, les dons, la puissance, la sagesse, la clé qui fait de toi son serviteur, son pasteur, son pasteur, son pasteur, son pasteur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Thank you.